Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Surtout abonnez-vous, venez nous rejoindre, c'est parti pour la nouvelle vidéo et les nouvelles fonctions Google. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur notre assistant Google, sur cette fameuse application Google Home et 14 nouvelles fonctions, 14 nouvelles applications. Vous savez que sur Vision Hightech, on a l'habitude de parler du Google Home, on a l'habitude de parler du Google Assistant et de toutes ces nouveautés. Alors le Google Assistant, vous le trouvez sur vos smartphones, sur vos tablettes, sur vos enceintes JBL comme celle-ci. Vous pouvez donc avoir un Google Home Mini, un Google Home Nest Hub 7 pouces, un Google Home classique. Vision Hightech, l'accessibilité au bout des doigts pour tous. N'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer les notifications pour être tenu au courant de nos dernières vidéos. Voilà les amis, donc dans cette vidéo, je sais que vous aimez les vidéos avec les nouvelles applications sur notre Google Assistant. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est entièrement gratuit. N'oubliez pas à cliquer sur la cloche et choisir toutes les notifications pour recevoir les vidéos en temps et en heure. Aujourd'hui, on va parler de ces nouvelles applications. C'est parti, il va y avoir de tout pour tout le monde. On est nombreux sur la chaîne, plus de 54 300 abonnés. Grand pouce bleu à vous. N'hésitez pas donc à liker, partager cette vidéo les amis. On commence tout de suite avec un jeu. C'est parti. Parler avec le jeu des nombres. D'accord, je vous mets en contact avec le jeu des nombres. Voice Arcade. Bienvenue le jeu des nombres. Combien de joueurs veulent jouer? 1. Ok, c'est parti pour un joueur. Tu vas participer à une série d'épreuves mathématiques pour remporter le plus de médailles. Avec quel personnage veux-tu jouer? Leslie le lapin, Charlie le chien, Ellie le lion or Taylor la tortue? Parfait. Comme tu joues seul, je vais prendre Leslie le lapin, Ellie le lion et Taylor la tortue pour que ce soit une vraie compétition. Alors, à quelle épreuve sportive veux-tu participer? Je te conseille de commencer avec l'un des sports suivants. Haltérophilie, tir à l'arc ou natation, mais tu peux aussi dire liste des sports pour entendre la liste complète des épreuves. Tir à l'arc. Dans l'épreuve de tir à l'arc, tu auras 30 secondes pour te rapprocher le plus possible du nombre cible à l'aide des trois nombres donnés. Prêt à essayer? Oui. Parfait. C'est toi qui commences. Tu dois atteindre 47 avec les nombres 13, 5, 4. Quand tu auras trouvé la bonne réponse, dis le mot d'activation de ton appareil, suivi de ta réponse. Départ du chrono de 30 secondes. Maintenant. Le temps est écoulé et tu n'as pas tenté ta chance. Prêt à réessayer? Voilà donc, n'hésitez pas à aller voir ce jeu qui est vraiment extraordinaire. Vous allez pouvoir jouer en famille. C'est vraiment un jeu ultra sympathique. On continue les amis avec cette toute nouvelle application qui peut vous servir au quotidien du nom de... D'accord, je vous mets en relation avec Chrono Hero. Voice Arcade. Bienvenue de nouveau sur Chrono Hero. La partie précédente s'est arrêtée en plein milieu. Veux-tu reprendre là où tu en étais? Oui. Ok, reprenons la partie précédente. Combien de joueurs veulent jouer? Un joueur. Génial, c'est parti pour un. Pour chaque tour, tu disposeras de 60 secondes pour répondre à autant de questions de culture générale que tu pourras. Tu seras en concurrence avec les autres joueurs en lice pour le titre de grand gagnant de Chrono Hero. J'espère que tu es prêt, car ta partie commence maintenant. Quel animal fait un tour chenille dans... Voilà donc, n'hésitez pas à jouer avec les jeux d'arcade et votre Google Home, avec Chrono Hero, avec... Le jeu des nombres, c'est vraiment le top. On va tout de suite voir maintenant l'application Mon ami le cuisinier. Alors pour cette application, il va falloir créer un compte. Je vous montre ça tout de suite. Alors, Voice Arcade est
fait partie donc des jeux que vous pouvez jouer en ligne avec votre Google Assistant. Si vous vous rendez compte que certaines applications ne s'ouvrent pas, vous allez donc dans Google Assistant, vous faites la recherche de ce jeu et vous allez pouvoir la lancer avec ce bouton. Par exemple ici, envoyer vers l'appareil bouton pop-up. On peut donc envoyer le jeu à partir de notre smartphone sur notre appareil. Bienvenue à Chrono Hero, le quiz contre la montre. Tu as seulement 60 secondes pour répondre à autant de questions que humainement possible. Sauras-tu battre la montre et devenir les Chrono Hero? Tu peux jouer tout seul ou avec jusqu'à 20 personnes. Dès le début du chrono de 60 secondes, tu dois continuer à répondre aux questions, sinon la partie s'arrête. Voilà donc, comme vous avez pu entendre, c'est vraiment le top. Jusqu'à 20 personnes, c'est vraiment énorme. Donc, pour lancer votre application à partir de votre smartphone sur votre enceinte, vous allez sur le bouton envoyer vers l'appareil bouton pop-up. Envoyez vers l'appareil, vous cliquez dessus, continue les amis. Mixer à mon ami cuisinier titre 1. Alors vous avez donc mon ami cuisinier. Ma d'info service titre 2. Sauvegardez vos recettes favorites dans votre livre de recettes privées Cookmate et cuisiner avec votre assistant Google. Trouvez une recette, demandez les ingrédients ou les instructions. Liez lien. Il faut donc aller créer un compte sur internet sur l'application Cookmate, C-O-O-K-M-A-T-E. Et ensuite, vous pourrez discuter directement avec mon ami le cuisinier. Envoyez vers l'appareil bureau 4 éléments de bureau 4 éléments de envoyez à bureau 4. C'est parti, on est envoyé sur l'enceinte. Bonjour, bienvenue. Que souhaitez-vous cuisiner? Couscous. Votre compte mon ami cuisinier n'est pas encore associé. Pour continuer, vous devrez finaliser cette action sur votre téléphone. Êtes-vous d'accord? Oui. Très bien, je viens d'envoyer un lien de connexion. Vous le trouverez dans l'application Google Home. Votre Google Home vous envoie un lien de connexion. Vous allez dans votre messagerie et c'est parti, je vais le faire avec vous. Google Assistant 14h02 associé à mon ami cuisinier. Ouvrez vos recettes favorites avec votre assistant Google Click Home. Zone de 100 Allo Cookies. Voilà donc, une fois que vous êtes reconnu dans cette, application, vous allez pouvoir demander tout ce que vous désirez à votre ami cuisinier. Que voulez-vous cuisiner? Voilà, donc vous allez pouvoir cuisiner, demander des recettes, etc. par la suite. C'est vraiment cool. On continue. À bientôt pour de nouvelles délicieuses recettes. D'ailleurs, pour tous ceux qui voudront l'intégralité des applications, demandez-les moi en commentaire. Je vous les enverrai personnellement, toute la liste de cette vidéo. N'hésitez pas. Trouve des recettes pour les déjeuners. D'accord, j'ai une recette de croque-monsieur aux pommes, gruyère fondue et jambon blanc sur Cuisine AZ. C'est une recette pour 4 personnes qui demande environ 12 minutes de préparation. Ça vous va? Oui. Super. Souhaitez-vous commencer par les ingrédients ou les instructions? Les instructions. Il y a 8 étapes. Je vais vous les lire une par une. Quand vous voulez passer à la suite, dites étape suivante. Première étape, peler les pommes à l'aide d'un économe. Stop. Allez, on continue dans ces applications et on va demander de parler avec... Vous allez pouvoir parler avec Nara CanSpeak, tout simplement à partir de votre smartphone cette fois-ci. On va essayer. Assiste parler avec Nara CanSpeak. Une fois que vous lancez l'application, tout en bas, vous avez deux boutons. Associer mon Google, cliquez deux fois pour activer. Vous pouvez donc associer votre Google. Continuer comme invité, cliquez deux fois pour activer. Ou continuer comme invité, ce qu'on va faire. Continuer comme invité. Salutations, la vie est un miroir. Si vous froncez les sourcils, elle fronce les sourcils en arrière. Si vous souriez, il renvoie le message d'accueil. Greeting, cliquez deux fois pour activer. Parler avec RTVFM. Très bien, voici RTVFM. Bienvenue sur RTVFM. Voilà donc en fait cette radio est proche de toutes les personnes qui sont en situation de handicap et autres. Et ça, c'est vraiment plutôt pas trop mal. Tester cette radio, elle est vraiment pas mal. On continue. Parler avec le dilemme de dingue. Ok, voici dilemme de dingue.
Voice Arcade. Bienvenue dans Dilemme de Dingue. Réponds à mes drôles de questions et découvre si le reste du monde est de ton avis. Tu peux passer à la question suivante en disant « suivant » et enlever les effets sonores en disant « désactiver les effets sonores ». Voici ta première question. Tu préfères être coincé sur une île déserte avec quelqu'un qui a « le visage d'un poisson » ou « le corps d'un poisson » ? Le corps d'un poisson. Tu as répondu le corps d'un poisson. 62% des autres joueurs sont du même avis. Tu préfères détester toutes tes chansons préférées ou toujours souffrir d'insomnie? Stop. Voilà donc, n'hésitez pas à les parler à Dilemme de Dingue. Vous allez vraiment vous éclater la quiche, les amis, c'est cool. On continue, c'est parti. On va maintenant parler avec le quiz quotidien. C'est parti. Parler avec le quiz quotidien. Très bien, je vous mets en contact avec le quiz quotidien. Voice Arcade. Bienvenue dans le quiz quotidien. Chaque jour, je te donnerai 3 minutes pour répondre correctement à 3 questions. Quand tu seras prêt à répondre, fais-le moi savoir en disant le mot d'activation de ton appareil, suivi de ta réponse. Ta partie commence maintenant. Combien de temps dure la gestation d'une éléphante? Quelle est la bonne réponse? 12 mois, 22 mois ou 18 mois? Quel acteur propose une parodie de Donald Trump dans Saturday Night Live depuis 2016? Quelle est la bonne réponse? Baldwin Alec, Brad Pitt ou Bradley Cooper? Brad Pitt. Brad Pitt est incorrect. La bonne réponse était Baldwin Alec. Chrono mis en pause. Tu as utilisé ta vie gratuite d'aujourd'hui. Pour profiter de vies illimitées, inscris-toi à Voice Arcade Unlimited ou associe ton compte si tu en as déjà un. Je t'ai entendu dire arrête, je vais donc mettre ton jeu en pause. Pour relancer le jeu, dis simplement, OK Google, parle avec le quiz quotidien ou envoie-nous tes commentaires à l'adresse i@labworks.io. OK, on continue. Alors, lorsque vous allez rencontrer certaines phrases que je vais vous envoyer, si vous me faites la demande, il faudra passer par votre smartphone ou votre tablette. Donc ici... Titre 2. Très bien, je vous mets en relation avec vrai ou faux de Voice Arcade. Affichage des éléments. 1 à 2 de 2. Voice Arcade. Bienvenue dans Vrai ou Faux. Dans ce jeu de culture générale, tu vas devoir démêler le vrai du faux. Combien de joueurs veulent jouer? Un joueur. Super, c'est parti pour un. À vos marques. Prêt? Partez. Vrai ou faux? Les chauves-souris sont presque aveugles. Recherche vocale, cliquez deux fois pour activer. Beaucoup de chauves-souris ont une excellente vision et peuvent même voir la lumière ultraviolette. En voici une plus facile. Vrai ou faux, une chenille a davantage de muscles qu'un humain. Ça ira mieux la prochaine fois. Certaines chenilles ont jusqu'à 4000 muscles dans leur corps, comparé à 639 pour l'être humain. Je vous laisse découvrir ce jeu, vrai ou faux, c'est vraiment le top et ça peut amuser pendant ces temps difficiles actuellement avec la Covid. On continue les amis. Alors je sais que sur Vision Hightech, on a beaucoup de gens du côté de l'Afrique et on va pouvoir... grâce à votre Google Home, parlez avec Europe-Afrique. Ok, je vous mets en relation avec Europe-Afrique. Bienvenue sur Europe-Afrique Radio. D'ailleurs, un grand bonjour à toute la communauté abonnée sur Vision Hightech du côté de l'Afrique. Vraiment, un énorme merci à vous de me suivre. On continue les amis avec Chronopost. Vous avez donc des choses en cours d'acheminement chez vous. Demandez à parler à l'application Chronopost. Parlez avec Chronopost. Ok, je vous mets en contact avec Chronopost.
Bonjour, je suis Léonard, le robot de Chronopost. Que puis-je faire pour vous aider? Bonne année. Suivre un colis. Quel est votre numéro de colis, s'il vous plaît? Voilà, ensuite, tout simplement par la suite, vous lui donnez votre numéro de colis et il va vous dire tout simplement, plus besoin d'aller sur votre ordinateur et vous aurez votre suivi de colis grâce à votre Google Home. C'est pas cool ça les amis? Moi je trouve ça super sympa. On continue. Et maintenant, beaucoup de gens aussi du côté de la Belgique qui suivent Vision Hightech, c'est vraiment le top. Bien le bonjour à toute la Belgique, bien le bonjour à toute la communauté Vision Hightech de la Belgique. Et on va demander à parler avec Radio Player Belgique. Ok, je vous mets en contact avec Radio Player Belgique. Bonjour, enchanté de vous rencontrer. Ma compétence est de diffuser différentes chaînes de radio. Pour lire un canal radio spécifique, il suffit de dire ou de taper « Jouer, chaîne radio ». D'autres commandes possibles sont « Recommandations » et « Jouer un canal aléatoire ». En quoi puis-je vous aider ? France. Aléatoire. Voici Energy Dance. N'hésitez pas donc à aller écouter vos meilleures radios sur Radio Player Belgique. Éclatez-vous avec vos meilleures radios. On continue dans ces applications et on va demander de parler avec le classement des meilleures recherches. Ton pop-up. Alors, le classement des recherches, vous allez pouvoir l'avoir via votre smartphone et on va l'envoyer directement sur notre enceinte. Donc, vous pouvez jongler comme ça, c'est simple, c'est agréable. Afficher rapidement les classements des tendances de recherche Google. À propos, envoyé vers l'appareil bureau 4 éléments, bureau 4 éléments, envoyé à bureau 4. Actuellement, les trois principales tendances de recherche sont Patrick Bruel, Kate Middleton, Euromillion, 8 janvier 2021. Voilà, donc ici, vous avez les trois derniers classements les plus recherchés sur votre Google, sur l'application Google. C'est plutôt top, c'est sympa. Ça permet d'être au courant de ce que recherchent les gens actuellement. Et pour la dernière, on va rester zen, les amis, et on va demander de parler avec MyZen. La lecture de MyZen va commencer dans quelques secondes. L'aventure commence dès maintenant. Bon voyage. Voilà, donc merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me demander l'intégralité des mots-clés. Je vous les enverrai personnellement à chaque personne qui me le demandera en section commentaires. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo et d'autres aventures Google Home. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine sur Vision Hightech, les amis. Salut à tous!